C'est une évolution, que dis-je, une révolution. Il n'est plus nécessaire désormais de sortir de chez soi. Le monde entier entre ainsi chez vous. Voilà, alors on est ici dans une galerie éphémère, on pourrait dire, qui est rue Saint-James à Bergerac, et où se tient en ce moment une superbe exposition qui s'appelle Requiem pour piano, dont l'auteur s'appelle Romain Thierry. Malheureusement, Romain Thierry, qui est le photographe de ces belles photos, ne vit pas à Bergerac, dont il est originaire. Il vit plutôt vers Pézenas, où il a aussi une galerie. Et de toute façon, il est en voyage très souvent pour cette passion qu'il a prise pour les pianos abandonnés, puisque c'est ça le thème de l'expo. Donc, il m'avait dit que son papa et sa maman s'occupaient d'ouvrir la galerie en son absence. Et aujourd'hui, on est tombé sur le papa, voilà. Monsieur Thierry. Donc je vais vous poser quelques questions, et puis si vous ne pouvez pas, ce n'est pas très grave. Voilà, comment est-ce que ça a démarré cette... D'abord, Romain, il est photographe de métier. Alors, Romain n'a pas du tout fait l'école de photographie. Voilà, il a un BTS dans l'environnement. Voilà, et je dirais, ouais, c'est de façon un petit peu autodidacte, hein, qu'il s'est mis à prendre des photos, et il s'est amélioré d'année en année, et voilà, et ensuite ça lui a permis d'investir dans du bon matériel aussi, bien sûr, parce que je crois que le matériel compte aussi beaucoup, et puis voilà, et puis il s'est lancé, et puis finalement ça... Et il arrivait à en vivre. Il arrive maintenant, donc voilà, il a deux galeries, et il arrive maintenant, voilà, les gens à chaque fois qu'ils rentrent sont toujours émerveillés, hein, par ces belles photos. Voilà. Donc maintenant, il a aussi fait du piano, parce que le piano est quand même le centre de cette exposition. Tout à fait, le piano est le centre de cette exposition. Donc Romain a commencé à l'âge de 5 ans ou 6 ans, je ne dis pas de bêtises, à l'école de musique de Bergerac, puisqu'il est né à Bergerac. Voilà. Il est allé jusqu'à terminale. Voilà. Donc il a fait quasiment presque plus de 10 ans de piano. Ensuite, il a arrêté, puisqu'il avait une autre destinée. Il est parti, il a fait, voilà, hein, ben, comme tout jeune. Hein, voilà. Mais par contre, il continue bien sûr à jouer des pianos de temps en temps. Il peut être amené, on peut lui demander lors d'exposition, de jouer un petit peu de piano. Et ce qui est fait aussi, c'est qu'à chaque fois donc qu'il découvre un piano, il essaie comme ça de jouer quelques notes, voilà, sur certains pianos, et ensuite il les enregistre, et ensuite après l'idéal ça serait de voilà qu'il y ait une petite visite virtuelle avec un casque en entendant les sonorités de ces pianos, voilà, devant chaque piano, pour faire revivre l'histoire du piano. Voilà. C'est ce que j'ai vu dans ce très beau livre qui est en vente ici à l'exposition, où l'introduction explique un peu tout ça. Et donc, l'origine de l'expo, c'est aussi que le papa et la maman aiment bien découvrir des maisons abandonnées et y rentrer. Comment ça s'appelle d'ailleurs? Ça porte un nom. Oui, alors mon fils n'aime pas trop qu'on parle. Alors, ça s'appelle de l'urbex. Oui, parce que moi, voilà, j'ai écouté une super émission sur France Culture, toute une semaine sur l'urbex, voilà, et sur ça l'urbex. M'avait... Voilà, voilà. Donc, c'est vrai qu'au départ, donc, c'était de l'urbex, puisque c'était des lieux abandonnés, voilà. Et ensuite, Romain donc, s'est dit, je ne vais plus appeler ça de l'urbex. Certes, ce sont des manoirs, des grands châteaux abandonnés, mais il y a un piano. Et donc, il va pas photographier des meubles, c'est uniquement le piano. Voilà. Et il faut savoir que dans toutes ces photos, il n'y a aucune mise en scène. Aucun montage, aucune mise en scène. Il y a très peu de retouches au niveau des photos. Il a vraiment l'œil. Hein. Très, très peu de retouches. Et je crois que c'est toujours important, parce que les gens disent, mais comment vous faites? Vous l'amenez? Non, on peut pas déplacer un piano comme ça. C'est un peu compliqué. Hein, voilà. En tout cas, il y a vraiment... À l'instant T, on rentre, parce que je suis aussi allé avec lui, il rentre dans la pièce, il a le piano. Par contre, il joue beaucoup sur les lumières. C'est ce qui fait, c'est ce qui fait la beauté de ses œuvres. Il attend vraiment le moment propice. Voilà. Du coucher de soleil, hein, et ouais. Voilà, ça peut être des heures et des heures, voire des jours même d'attente, hein, pour vraiment trouver la bonne musique, pour bien mettre en valeur le piano, et je crois que c'est ce qui fait aussi sa renommée. Hein. Ouais. Écoutez,
Je ne pense pas que Romain se serait aussi bien vendu que son papa qui est plein d'admiration. Mais oui, on est toujours fiers de son fils. Hein. Et alors donc, on va bientôt s'arrêter, mais c'est donc des pianos qu'il a trouvés dans des lieux qui lui ont maintenant, il commence à être connu, donc on lui signale par exemple. Voilà, de temps en temps, bien sûr, on lui signale. Hein. Bon, il fait beaucoup de recherches personnelles, bien sûr, hein, mais voilà, de temps en temps, il y a des petits réseaux et donc des gens lisent, voilà, Romain, on était dans un endroit, il y avait un piano, donc on sait que toi, tu es un photographe de piano, voilà, après c'est mon fils qui décide s'il y va ou pas. Hein, parce que... Alors j'ai vu aussi que dans cette exposition, il y a une... Enfin, je ne sais pas s'ils sont là dans l'expo, mais... Non. Il y a une photo un peu émouvante qu'on peut découvrir sur le livre si on le regarde, qui est trois pianos sur le sol, sans pied, qui étaient chez... comment s'appelle le vendeur de pianos ? Paulin. Chez Paolin, voilà. Après que l'incendie est ravagé. Paulin est venu, il est venu quand je crois que c'est lundi, Pentecôte. Voilà, il a même laissé un petit mot. Oui, bravo, félicitations, parole à musique. Ah ouais. Voilà, parce que mon fils donc a acheté un piano chez Paola la musique. Voilà. Voilà, vous c'est. Il est tout fier de voir que sur le livre donc il y a ces pianos qui ont été mis au sol suite à l'incendie qui malheureusement a touché ça. Voilà, moi cette photo là m'a frappé et puis j'ai été. Enfin, il y a deux sujets qui nous intéressent beaucoup. Il y a des pianos qui ont été spoliés certainement pendant la Deuxième Guerre mondiale à des familles juives. Et du coup, il a aussi fait des recherches pour se mettre en relation avec les gens qui travaillent sur la question. Et puis, la fin du livre se passe en Ukraine, mais pas l'Ukraine en guerre de maintenant, mais à Pripyat, c'est-à-dire la ville qui a été le plus touchée par la centrale de Tchernobyl, l'accident. Et c'est des photos très émouvantes, ces photos. Oui, tout à fait. Oui. C'est vrai que ça a été un sacré périple bon, d'aller là-bas, parce qu'il faut quand même y aller. Hein. Et voilà. Mais ce qu'il en retient surtout, c'est, il m'a dit, tu vas t'imaginer comme la nature a repris le dessus. C'est ça. Et ça, c'est... Ah oui, c'est vraiment ce qui l'a marqué. Bon, bien sûr, les photos, les pianos, mais il m'a dit, c'est surtout cette nature qui a repris le dessus. Voilà. Avec les animaux qui reviennent et tout, Ceci dit, chez nous, après le Covid... Ça a été un peu le cas. Les animaux dans les villes. Les animaux ont repris leur. Les animaux sont revenus. Hein. Bon, je crois qu'on va s'arrêter là. Est-ce que vous aimeriez dire encore quelque chose sur votre fiston ? Non. Peut-être dire que la galerie donc, est ouverte le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, l'après-midi, hein, à partir de 14h, 14h15 jusqu'à 18h, 18h30. De temps en temps, ça peut être aussi ouvert le dimanche, si vraiment il y a une manifestation, s'il y a du monde, voilà. Mais en tout cas, lundi et mardi, normalement, c'est fermé. Eh bien, merci voilà. Beaucoup. Et dire donc que dans cette galerie, donc, il y a en vente donc, des reproductions, oui. Voilà, qui sont à 30 euros, hein. Okay. Et puis un livre à 60, et puis ensuite après, bien sûr, les œuvres d'art. Elles sont en vente. D'accord. Les œuvres d'art sont en vente. Oui, j'avais quand même une dernière question dans tout le début du bouquin que j'ai feuilleté. Ce sont des photos de pianos abandonnés en France et en particulier dans le sud-ouest. Il n'y a jamais le lieu précis. Il est dit le nom du château ou est-ce que c'est voulu ? Alors, je vais répondre, je pense que oui, c'est voulu dans le sens où on tombe toujours sur des gens qui sont peu respectueux, voilà, et donc souvent après c'est quoi, c'est on y va pour casser, pour taguer, pour voilà. Donc c'est ne pas citer le lieu, c'est aussi le préserver. Ça a été le cas pour le château de Bridoire, par exemple. Voilà, exemple, ouais. Il y a un Bridoire qui n'est pas très loin d'ici, voilà. Mais que nous, on n'a pas vu. Ah oui, on l'a vu, mais quand il était abandonné. Ils ont fait du bon boulot, quand même. Ils ont fait du bon boulot. Ah, oui, on va pas leur faire de la pub, mais c'est bon. Non, mais bon. C'est vrai, c'est vrai que c'est bon. Non, je reconnais. Je pense qu'on a fini. C'est une évolution, que dis-je, une révolution. Il n'est plus nécessaire désormais... de sortir de chez soi, le monde entier entre ainsi chez vous.